Et bonjour à tous, si vous êtes fan pour une nouvelle partie de Hyrule Warrior. Et aujourd'hui, nous allons dans le palais de l'esprit avec du coup, on va prendre l'épée de légende. Waouh, elle a deux caractéristiques. Ça, je m'en rappelle pas par contre. Oui, du coup, l'épée de légende qui a deux capacités scellées d'ailleurs. D'ailleurs, ces capacités, on peut pas les débloquer tout de suite. Je crois d'abord faut compléter le mode aventure, faut ensuite chercher. Je sais plus comment est-ce qu'on fait pour débloquer la possibilité de débloquer les capacités spéciales de l'épée de légende. Mais en tout cas, ça leur rend cheaté. Suivant les dernières paroles du magicien maléfique, Link et ses compagnons se mirent en route vers le temple de l'âme. Bon, il faudrait savoir le temple de l'âme, le temple des esprits, le palais des esprits. Le palais de l'âme. Link, armé avec l'épée des légendes, commença à se sentir invincible. Voilà. Je le savais, Link le frimeur. Au moins dans les autres jeux, il est un peu plus humble. Il est peut-être parfois gamin, mais au moins il est un peu plus humble. Parce que là, franchement, Link le frimeur. Voilà, très peu pour moi. C'est pas le Link que je connais. Désolé, il fait chaud, je bois un peu d'eau. Et donc du coup, aujourd'hui, nous avons Darunia. Pourquoi Darunia? Qu'est-ce qu'il a, Darunia? Non, franchement, vous auriez pu mettre un autre perso comme perso jouable. Pourquoi pas Impa? C'est trop triste. Mais non, mais je veux pas jouer avec Darunia, c'est trop triste. Pourquoi pas Zelda, d'ailleurs, en fait? Ça aurait été bien plus logique. Regardez ce magnifique palais qui n'a pas du tout été étudié. Non mais on peut pas créer un palais comme ça. Allez Link, massacre-les. C'est terrible, mais qu'est-ce que tu dis? Link a l'air trop confiant. J'espère que ça qu'il ne fera pas de bêtises. Mais si, mais Link il est bête. Oh Link, je suis ici. Viens me montrer la puissance de l'épée sacrée. Il y a trois chambres qui semblent être reliées par un flux magique. Oui, je ressens une forte puissance magique. Dépêchons-nous de reprendre le contrôle. Tour de contrôle. Oui, et du coup... les guides d'eau ardent. Mais oui, et du coup... l'épée de légende... L'épée de légende, c'est l'arme la plus forte du jeu. Ce qui est d'ailleurs un peu anti-jeu parce que du coup, quand j'avais pas le niveau dans Hyrule Warrior, dans le mode aventure en tout cas, j'avais tendance à utiliser l'épée de légende en mode débloqué. Parce que entre une arme qui a pas beaucoup de puissance, une qui a 300 voire même plus quand elle est débloquée... Ah, mais c'était pas lui que je voulais viser, c'était toi. Selon l'ordre dans lequel nous prenons ces chambres, nous pourrions interrompre le flux magique plus vite. Ah non, moi je veux prendre tout l'effort de toute façon. Voilà. L'équipe d'eau avance vers Zelda. Ok. Je crois qu'on va laisser Link tranquille, de toute façon, après. Un preneur de fort apparaît. Oh. Encore un preneur de fort. Allez, Link. Venez prendre les chambres, reliées. Il continuera à apparaître. Bon, il est où, le méchant? Allez, Darunia. Montre que t'es le plus fort. Non, parce que par exemple, Darunia, il est faible, là. D'ailleurs, je crois que c'est plus le niveau auquel il devrait avoir, en fait. Link, cesse de t'amuser, viens me voir. Tu ne veux pas me vaincre avec ton épée sacrée? Link, les portes sont ouvertes, allons lui régler son compte. Mais Link, t'es bête, ne n'y va pas. Il a rejoint un fort. Zelda affronte le guide d'eau ardent.
preneur de fort à Ardance. Mais il est où le preneur de fort? Parce qu'il est rigolo, mais je le vois pas. Allez, allez Lana, faisons une bonne team. Nick ne doit pas s'enfuir. Je ne m'en fais pas pour lui. D'ailleurs, pourquoi Darunia? Pourquoi est-ce qu'on joue Darunia? Pourquoi est-ce qu'on peut pas choisir le deuxième perso dans ce cas? Je vous suggère d'interrompre les flux magiques pour augmenter nos chances de victoire. Bah, c'est fait. Il est où le boss? Bah, parfait. Ah, il est en bas, le méchant. D'ailleurs, il y a plein de méchants qui attaquent. Ça doit être Zelda, du coup. Allez, Darunia, va les aider. Link, je t'interdis de rentrer dans la chambre. D'ailleurs, oui, j'ai donné une deuxième jauge à Darunia. Voilà, parce que j'en ai profité pour augmenter les badges tant que j'étais dans le mode aventure. Je suis heureuse de voir qu'on a des alliés sur qui compter. Link, je t'interdis d'aller chez Sia, c'est pas le moment. Voilà. Voilà. Zelda n'est plus en danger. Ressent la puissance de la Triforce. D'ailleurs, Darunia va prendre ce fort. Alors, c'est lui le méchant? Allez, voilà, laisse-nous tranquille. D'ailleurs, on a un deuxième. Zelda a senti une terrible présence maléfique. Ah bah oui. Ah bah ils ont perdu l'effort. Ah bah bravo. Suffit que je sois pas là et c'est fini. Bon, je pense que ce fort va aussi tomber dans pas longtemps. Oui, je sais qu'il faut aller éliminer Mademoiselle. Mais j'ai pas envie de l'écouter parce que je sais que ça sent le piège. Franchement, Link, t'es trop nul. Bah, allez. Allez, Link, je te laisse faire ce que tu as envie. Si tu as envie de te laisser piéger, fonce. Moi, en attendant, je vais reprendre l'effort. Bon, je sais que ça sert à rien, mais c'est pour assurer un peu de défense, parce que... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Très bien. Allez, Faye, viens avec moi. Allez, poum. Oh non! Où est-ce qu'elle est? Je crois que je sais où est-ce qu'elle est. J'espère que j'y arriverai à temps. Link, reste tranquille. J'en peux plus maintenant! Non, je peux plus, mais je peux pas perdre maintenant. Oui, c'est bien d'inventer des dialogues. Alors, normalement, elle est derrière ce mur, ce magnifique mur. Celui qui est montré dans toutes les cinématiques d'introduction. Voilà. Parfait. Ne t'inquiète pas, Impa. J'amène Darunia et on va aller avec Link taper Sia. Parce qu'il a très envie, mais... mais c'est bien, il est obéissant, il attend que je lui donne l'autorisation. Ah bah, il y a encore un preneur de fort. Je crois qu'ils étaient tous morts. Bah voilà. Parfait. Allez Link, va te faire piéger. Parce que t'es trop nul. Sia, je vais te frapper. Regarde-moi ce Link. Regardez-moi ce Link. Le Link de la frime. Franchement, tu mériterais de perdre. Ta force vient-elle de la puissance de ton épée? C'est bien sûr pour ne pas t'en rendre compte. Non, je crois qu'elle n'a pas dit ça, mais c'est pas grave. La présomption, l'orgueil, l'arrogance.
ces noirs sentiments qui ont germé en toi vont te conduire à ta destruction. Rayon magique. Oh. Eh oui. Tu as invoqué le terrible Dark Link, Link. Par ta faute. Bien fait pour toi. Je m'en fiche, je suis trop fort avec mon épée. Sia bat temporairement en retraite. Non mais Link... Link, t'es pénible. Laisse-moi tranquille, Link. Dark Link. Je crois que je suis trop fort pour lui. Il comprend pas. Et voilà, Dark Link est détruit. Ah bah c'était facile. Je vois pas le souci. On a réussi, on a repoussé le Link noir. Des Links noirs apparaissent partout sur la map. Ah oui, une pierre de coups. Boum, tous les Links. D'ailleurs, je tiens à dire, c'est une super mission pour farmer Link. Parce que les Dark Link, en fait, ils donnent des pouvoirs de... Enfin, des matériaux de Link, donc voilà. N'hésitez pas. Oh, il a imité ma technique. Voleur. Je t'autorise pas à copier mes techniques. D'ailleurs, il va où, Link? Il est content. Ok, salut. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs, toi? Oh, il y a la pluie qui tombe sur lui, carrément. Oh, c'est bien. Bien fait. Tu as un peu trop de fumée derrière, autour de toi. Tu veux un éventail? Oh le vilain! Et de quand montre un signe de fatigue, il est temps de les attaquer. D'ailleurs, Link, tu peux pas mourir. Non mais m'attaque pas! Mais non, mais me donne pas des petits coups d'épée comme ça, c'est traître. Voilà. Ah mais non, mais je veux pas en détruire que deux, je veux en détruire plein. Ça y est, on a battu les Links noirs. Bah non, ils sont pas battus, il y en a encore deux. Un Link noir apparaît sur le champ de bataille. Ah, il a ressuscité, à ce rythme-là, on n'en finira jamais. À ce rythme, nous allons être acculés. Toutes les troupes battent en retraite. Oh, le pauvre Link. Voilà. Donne-moi ton matériel. D'ailleurs, il y a plein de méchants. Waouh, ça commence à être la guerre ici. Le soldat. C'est lui ? Je ne t'abandonnerai pas. Voilà, Link. Dark Link, meurs. Les Link noirs viennent sans cesse de la chambre de la sorcière. Ils empêchent notre fuite. Toto. Non, mais fais pas Homer Simpson, Link. Voilà. Mais c'était pas difficile. Il y avait pas un Link noir ici? Ah, il est descendu d'Arunia. Ok, d'accord. Bon, si je m'attendais à ça. Mais genre dire, il y a des problèmes là. Oh là là, que se passe-t-il? Alors Link, c'est trop difficile. C'est ça quand on frime. C'est comme dans Splatoon. Si on frime, on se fait attaquer. Reprends-toi, Link. Heureusement que Lana, elle est gentille. Eh, ça c'est de la triche par contre, les grosses épées. Ah non, je suis désolé, Darunia, t'étais pas là. Ah bah c'est pratique. Le pouvoir de l'amitié. Un véritable héros doit être conscient de ses propres faiblesses.
Oh, le sourire de Darunia. Mince, je ne suis pas... Je suis pas le héros de la frime. Bah voilà. L'épée, elle a bien réagi. Voilà, tu vas pouvoir détruire tout le monde, mais c'est pas le moment pour l'instant. Pour l'instant, il y a plein de gros qui arrêtent pas d'attaquer Zelda. Laissez Zelda tranquille! Voilà. Je peux créer plus de lignes noires, qu'importe. Je vous écraserai ça sans tour de passe-passe. Si a invoqué un grand nombre de monstres. Si arrête, si tu utilises cette magie, tu ne pourras pas revenir en arrière. Silence, je fais ce qui me plaît. Mais je suis un peu fatigué, dirait-on. Si a quitte le champ de bataille. Oh, il y a encore des gros. Il y a des gros partout. La garde apparaît dans la roseraie. Sud. Un trésor semble se poser dans la roseraie sud. Prenez là où il y a le garde. Ouais, c'est un coffre. Je sais que c'est un coffre, mais... Tu peux pas pour l'instant le chercher, en fait. Allez, meurs! D'ailleurs, Link, tu pourrais venir. Je sens la puissance grandir. L'épée de légende commence à déployer sa vraie puissance. Parce que regardez, Zelda, elle perd toute sa vie. Ouais, je vois Darunia, il est en train de danser. Link semble sain et sauf. Les conditions de défaite ont changé. Bah voilà. Non, mais je déteste quand vous faites ça. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes no fun, les Gibdo. Bien, replions-nous. On devrait pouvoir s'enfuir par la roseraie sud. La roseraie est. Vous m'échapperez pas. L'invocateur d'élite apparaît sur le champ de bataille. Prépare son invocation. Laissez-nous tranquille. C'est qui? Non, ça c'est le soldat de machin. Ça c'est un gros, on s'en fiche. Bon, en même temps, je peux pas tout faire. Il est dans le pétrin. Je vais au point d'invasion. Je vous guiderai. Laisse-nous tranquille, le gros. Faille au rapport. Je détecte une aura qui se téléporte. La probabilité qu'il s'agisse de machin, de Midona, c'est 99%. Je crois que c'est ça qu'elle a dit. C'est lui l'invocateur d'élite. Oh, Midona la tricheuse. Elle s'enfuit toute seule. C'est lui le fort que vous vouliez que je prenne. Bah voilà. Le garde il est mort. Oui, ça je crois que c'est le coffre de Fai. Je crois que c'est Fai. Je sais plus. Prenez la roseraie sud. Vous avez pris le contrôle de la roseraie sud. Et Zelda, elle a des problèmes. Ah, c'est Ganon carrément. Ah, il nous a même pas attendu. Quelle puissance! Je ne peux même pas fuir. C'est à toi de protéger tes amis. Regardez ce pauvre Ganon. Il comprend même pas. Non, je vous assure que j'ai pas mis en mode facile. Pauvre Ganon, il a rien compris. Allez, on va le finir comme ça. Juste pour le troller. Trollons-le en puissance. La situation est devenue critique. Bah, elle est pas tellement critique. Regarde, Ganon, il est mort. Zelda est en difficulté. Elle a l'air très en difficulté.
Regardez ce magnifique tableau de Link. Sia, tu as un problème. Pourquoi tu mets des Link partout dans ton château? Par contre, elle a mis une statue de Link loup, alors c'est bien. Ça, gamin, tu m'as dit déjà la perfection. La purificatrice. Regardez ce Link loup, il est trop beau. Oh non, le matériel. Il est à moi. D'ailleurs, Zelda... Tiens, Zelda, elle s'était portée ici. Elle voulait prendre l'air. Bon bah, au final, ce chapitre se sera fini assez vite, au final. J'ai dit deux fois au final, mais c'est pas grave. Mais ne vous inquiétez pas, on va aller chercher les cœurs après. Alors. Oui, d'ailleurs, j'ai débloqué Medoli et Tingle, mais ça, vous le saurez peut-être que après. Je pense qu'au pire, je vais faire une partie bonus pour les persos qu'on n'aurait pas vus. Parce qu'en plus, il y en a certains que j'aurais de toute façon pas vus. Oh, regardez! Darunia s'est transformé en Midona! Attendez. Là, on peut sélectionner Sheik et Zelda? Pourquoi? Parce que Sheik, autant ici, ça, c'est compréhensible, autant là... Bah, elle a plus besoin. Mais bref, oui, j'ai pas encore cherché les cœurs. Mais je les chercherai tous en même temps, de toute façon. Voilà. Mais la prochaine fois, on se retrouvera pour la lumière contre les ténèbres. Avec Link. Et d'ici là, portez-vous bien et salut à tous!